Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2, le chemin du routier, épisode 14. Norbert d'Entrezangles. Et oui, aujourd'hui, il y a de la neige, enfin. Alors, chez moi, il y a eu de la neige, mais pas beaucoup, mais c'est pas grave. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette société. Et puisque on va parler de ça durant cette vidéo, j'ai décidé de prendre ça comme skin de camion, tout simplement. Donc, c'est le Renault Premium Normal Rof. Avec le skin Norbert d'Entrezangles, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec une remorque frigorifique. Avec le nom Rockstar Energy Drink. Donc, des boissons énergisantes. Je pense que ça doit être ça. Question transport. Ouais, bah, des boissons énergisantes, quoi, tout simplement. 22 tonnes, quand même. Donc, ça veut dire que c'est... Ouais, c'est 3 quarts du camion, à peu près. Ouais, c'est à peu près... Peut-être pas... Ouais, 3 quarts du camion, on va dire ça comme ça, ou peut-être la moitié. On va direction Paris, on va à Paris, la capitale de la France, et aujourd'hui nous sommes à Metz. Eh oui, à Metz. Idemitu, donc on est mercredi, ouais, 6000 euros la livraison tout simplement, et en plus je dois dormir, donc voilà. Donc je vais vous montrer la carte du jour. Donc nous sommes, on est dans un hôtel à Metz. Et aujourd'hui, on va aller juste. Donc, on va avoir tous les péages. On va dormir à un arrêt. Et après, on arrivera à Paris, dans la capitale. Et on ira livrer chez Idemitsu. Tout simplement. Mais avant de commencer quoi que ce soit, nous allons, comme d'habitude, je vous rappelle les modes que j'utilise dans cette session. Alors, j'utilise plein de sessions. Donc, pour le Scania UPS. Le Volvo Globe, le Volvo FH classique pour avec les fleurs, le Combo Skin Pack, les fleurs, ben ça c'est ce que j'utilise. Mais c'est plein d'autres sessions tout simplement. Et je vais voir pour une autre vidéo de faire. Alors on va changer de camion complètement. Donc ça sera ni un Renault, ni un Scania, ni rien. Ça sera un autre camion. Vous allez voir, ça va être sympa. J'aurai un skin qui est super mini, qui est super sympa. Tout simplement, j'allais dire la réponse. Voilà, donc il y a de la neige, on commence à rouler tout simplement. Alors, attendez, voilà, c'est beau. Donc, je vous rappelle, donc je vais vous dire les modes que j'utilise dans cette session. Alors, nous avons le Japan Rail Company 1.0, vous le connaissez tous. C'est ces entreprises, ou avec E.ON, Idemitsu, tous ces trucs-là. Le Japan Rail Gas Station, donc c'est les stations-service. Donc ça reprend des stations-service que vous connaissez peut-être. Alors, attendez. Non. Ah, voilà, comme ça c'est bon. Le Magnum Lonet Suns, ah oui, alors c'est des. Alors j'ai aussi rajouté des skins de camions pour le Renault Magnum Excellence, tout simplement. Donc vous allez voir, c'est un petit truc assez sympa. Le Matt Gamer Trailer Pack que nous avons toujours. Hein. Le Snowfall for Winter Mode, donc le mode de la neige. Le Ninjago Mister of Spinjitzu Renault Magnum, donc c'est pareil, un deuxième mode. Un deuxième skin de mode pour le Renault Magnum. Donc nous allons commencer. Nous avons un long chemin à faire. Il faut que je mette les lumières encore. Voilà. Et nous avons, comme d'habitude, le même volant. Le Super Sport 3X. Alors, je me suis entraîné enfin. Alors, j'y arrive. Bon, il y a quand même encore les autoroutes où j'ai du mal encore. Mais ça va venir, tout simplement. Après, vous verrez, j'aurai l'habitude. Donc, alors, attendez, on y va. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Norbert d'Entrezangles, tout simplement. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut y aller? Ouais.
Alors attendez, est-ce que là c'est beau? Oui. Là. Voilà, tout simplement. Alors, avant de vous parler du sujet du jour, je vous annonce que j'ai découvert une chose que je ne savais pas. Quand j'avais fait les deux vidéos du DLC Scandinavia, ben, j'ai découvert une chose. Que pourquoi le jeu, pourquoi mon jeu, pourquoi la, quand le jeu et la vidéo buguait, c'est parce que j'avais encore les vieilles mises à jour. Donc c'est pour ça que j'avais encore les vieilles mises à jour. Bon, maintenant j'ai la 1.22.2.4, tout simplement. Bon, moi j'aime beaucoup. En fait, ils ont juste enlevé les sapins de Noël, les cadeaux, les pneus, tous ces trucs-là, toute la déco de Noël. Donc voilà. Bon, bah, c'est ce que j'ai aimé. Donc. Voilà, donc on va refaire des vidéos sur le DLC Scandinavien, mais pas encore, on fera ça, je sais pas encore, peut-être février, mars, avril, des choses comme ça, je sais pas encore hein, du tout. Donc on verra bien, comme on dit, alors attendez, c'est bon, enfin, je peux y aller. Donc, on est vraiment... Donc je vais refaire les vidéos, tout... Ça sera nickel. Mais on les fera pas encore les DLC Scandinavia puisque pour le moment il n'y a pas grand chose. Je ferai peut-être une vidéo quand il y aura une nouvelle mise à jour. Hein. Peut-être qu'il y aura la une nouvelle mise à jour la 1.23 ou peut-être la 1.24 ou j'en sais rien. Peut-être la 1.30, j'en sais rien. Bon, je raconte une bêtise bien sûr, mais voilà. Tout simplement. Alors nous sommes toujours sur la 1.21.1.2. Pourquoi? C'est parce que le problème c'est que voilà. Nous allons bientôt, on va bientôt commencer les vidéos dessus. Donc, puisque voilà, la 1.21.1.2, j'ai encore les composting packs à vous faire, montrer. Donc, on fera durant cette vidéo, chaque fois qu'il y aura une vidéo composting pack, on va parler d'un sujet, bien sûr, hein, parce que pas que je dise rien et que je ne sache rien. Donc, déjà, parce que je peux vous dire. Ah, attendez. Voilà. Non, pas encore. Alors, donc pour l'épisode 4, donc j'ai déjà créé un programme pour les vidéos. Donc aujourd'hui, pour l'épisode 14 de Norbert Dentresoulx sur ETS2, c'est ça. Donc, ce qu'on on va parler. Pour l'épisode 15, on va parler d'un sujet que vous verrez. Donc, c'est sympa. On va plutôt parler tout ce qui est dans la logistique. D'accord? Donc, quelque chose. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur la logistique, mais moi. Je vais vous parler plus précisément des vidéos dans la logistique, des choses assez spéciaux. Puis on va parler de l'épisode 16, l'apprentissage. L'épisode 17. Alors pour l'épisode 17, on va parler des modes. Donc ça s'appelle. Alors attendez. Voilà, c'est beau. Donc on va parler des modes 2. Alors, c'est vrai que j'avais fait une vidéo sur l'épisode 1, les modes qui fonctionnent et les modes qui fonctionnent pas. Donc, on va parler d'un truc, d'une chose assez simple, assez banale, quoi, tout simplement. Parce que, déjà, moi, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, donc, les modes, donc, on va parler des modes, voilà, ce qu'on a, ce qui marche, tous ces trucs-là. On va expliquer la suite, tout simplement. Puis nous allons avoir les combo skin pack, donc on va avoir plein de petits combo skin pack, plein de trucs assez rigolos. Ah bah merde, oups, je me suis gouré. Non, c'est pas là, hein, c'est pas sur le GPS, c'est sur j'ai sur un autre épisode, j'ai écrit encore la même chose. Eh hey, merde, zut. Après, nous allons aussi parler de American Truck Simulator, mais bon, ça sera un peu plus tard. Et après, voilà, on verra. Oh merde, aïe. Ah, j'aime pas ça. Bon, c'est pas trop grave. Ah, zut. Alors, attendez, on va... Bon, même si j'ai encore quelques progrès, c'est pas trop grave. Hein. Donc, allez, Valou. Donc, on a 3 heures, ouais. On dormira dans une aire d'autoroute, une chose comme ça, hein. On va pas s'embêter. Donc voilà, donc on va commencer à parler du sujet du jour, c'est Norbert Dentresoulx. Alors qu'est-ce que c'est Norbert Dentresoulx? Norbert Dentresoulx, c'est une société transport et logistique, donc c'est comme si c'était Ziegler, DHL, tous ces trucs-là.
Et donc en fait, c'est une entreprise qui fait de la logistique, qui fait du transport, les deux quoi, tout simplement. C'est une entreprise qui a eu une histoire vraie. Ils ont failli faire faillite. Mais vraiment faire faillite. Vraiment. C'est pas de la rigolade, non. Donc en fait, ils ont eu. Donc je vais vous raconter durant cet épisode, durant qu'on va rouler. Norbert Dentresangle, à partir d'un moment, voilà, ils avaient des contrats, des machins, tout. Un jour, il y a une entreprise, je ne me souviens plus du nom, qui a dit stop. Il y a une entreprise qui a arrêté le contrat. Je ne sais même pas si c'est la même qui les a rachetés. Il y a une entreprise qui a dit stop, on arrête. Maintenant, bon, maintenant, ils sont plus dans la faillite. Avant, ils étaient dans la cata, ils étaient dans la buise. Donc, en réalité, ils ont eu pas mal de défauts. Donc, Norbert Dentresangle, un jour, voilà, il travaille, machin, ok. Un jour, il y a une autre entreprise qui travaillait pour eux, qui, voilà, les remarques, ce truc-là, a dit stop, on arrête le contrat. Donc, Norbert Dentresangle avait 6 mois, je dis bien 6 mois, avait 6 mois pour chercher une entreprise qui accepte de les prendre. Sinon, ils devaient faire faillite et après les camions vendus, tous ces trucs-là. Bon. Moi, je vais vous dire, j'ai un trou blanc. J'ai un blanc, en fait. Voilà. Ah, oui, je sais que je dois m'arrêter là, je sais. Ouais, on va s'arrêter à une station. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, j'attends. J'attendais. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, sinon vous savez ce qu'on va faire. On va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là et après, c'est bon, hein, on dégage quoi, tout simplement. Donc en fait, j'ai découvert une chose, c'est que voilà, ils avaient plus que 6 mois. Ah, putain, allez là, bus de merde là. Putain. Ah, c'est vraiment des trucs pourris. Hein. En moteur de merde. Non, 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 non. Tu me fonces dedans, coco. Je te nique ta race. Je te tais. Alors, voilà. Et en fait, ils avaient plus que 6 mois. Donc, ils avaient plus que 6 mois à trouver une entreprise. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une solution. Partout en France, ils ont laissé des remorques, des camions abandonnés. Alors, abandonnés entre guillemets. Ils ont mis, par exemple, des remorques. Par exemple, ils ont laissé différents, ils ont laissé plein de remorques sur les aires d'autoroute, sur les bords d'autoroute, les stations-service, plein, plein, plein de trucs. Bon, moi, je me suis dit, c'est normal. Ils essayent de chercher une entreprise, ils ont le droit. Bon, après, moi, je me suis dit, bon, bah voilà, ils ont le droit, tous ces trucs-là. Moi, je suis d'accord. Alors, il y a une entreprise qui a réussi à les prendre, c'est XPO Logistique. Donc maintenant, ils sont plus dans la misère, moi je suis content pour eux, parce que s'ils auraient été dans la misère, bah, ils se seraient retrouvés au chômage, et j'aurais eu encore plus de chômeurs, et il faut pas du tout. Alors XPO Logistics, c'est une entreprise américaine, ouais, c'est une entreprise américaine, si je me trompe pas, et voilà, tout simplement. Bon, maintenant, ils ont les camions, ils ont tout gardé, bon, ça c'est déjà une chose. Bon, ils ont toujours les. Maintenant que vous recevez des CMR. Non. Maintenant, quand ils reçoivent des. Quand vous recevez des CMR, si vous travaillez dans la logistique, ben maintenant c'est écrit XPO Logistique, tout simplement. Voilà, donc attendez. Donc voilà. Alors je remercie. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, de continuer de me suivre sur ma chaîne YouTube. On est en ce moment à 28 abonnés. Enfin, 28 abonnés. Et oui, je suis super content. 28 abonnés, c'est énorme. Donc, je vais faire une annonce. Si on arrive à 30 abonnés, je fais une FAQ. Qu'est-ce qu'une FAQ? C'est une foire aux questions. Donc vous me posez toutes les questions. Vous me posez des questions sur le logiciel, sur les vidéos, sur quel site tu vas pour utiliser les modes, plein 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 de trucs.
On va faire autre chose. Alors, pose tout ce qui est l'histoire de la vie privée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop expliquer où habites-tu, quelle est ton adresse, toutes ces choses-là, ça m'intéresse pas. Vous pouvez toujours me poser des questions. Est-ce que, voilà, est-ce que, qu'est-ce que tu fais comme étude, toutes ces choses-là, vous acceptez. Mais tout ce qui est adresse où j'habite et le lieu, je ne vous donnerai pas. Oh, vieux, juste parce que j'ai perdu 150 euros. On va dormir, donc ça va. Donc déjà. Alors attendez, on va dormir, on va dormir. Sinon je vais avoir de la somnolence, c'est ça que j'aime pas. Alors attendez. Alors attendez. Alors attendez. Oui, alors. Vous me posez plein. Posez-moi plein de questions. Pour si on arrive, bien sûr. Si je suis toujours pas aux 30 abonnés, c'est pas grave. Mais au moins je serai. Oh. Ah putain de merde. Si on n'est toujours pas aux 30 abonnés, c'est pas grave, mais au moins je vous annonce, si on est 30 abonnés, je suis super content, mais vraiment. C'est déjà 30 abonnés pour moi, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir, vous pouvez pas savoir, mais vraiment. C'est quelque chose, c'est un début, comme il a dit Galax. Au début, moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais que 10 abonnés. Et après, j'ai continué mes vidéos, tout, machin, et voilà. Tout simplement. Oh, ouais, j'ai même pas fait attention au temps. Bon, pas grave. Donc voilà, on a vraiment. Donc, moi, j'aime bien Norbert d'Entrezangles, parce que déjà, c'est une entreprise qui est connue en France, dans le monde européen. Alors, je dis en France, mais je dis aussi, il y a l'Allemagne, il y a les Américains, plein de trucs. Donc déjà, moi, je vais vous dire, je suis super content. Déjà. Alors, attendez. Au fait, c'est une livraison de combien d'argent? Si c'est pour un petit truc de rien du tout. Ah oui, quand même, 6 000 euros. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Attendez, jouabilité. Voilà. Si j'ai mis la neige à fond, quoi, tout simplement, j'aime pas ça à moitié, quoi. Et j'aime pas du tout. What the fuck? Ah oui, parce que, ouais. Donc tout simplement, alors j'ai hâte de commencer les combo skin pack. Donc ça sera des combo skin pack avec le skin du camion plus la remorque. Et après on va voir pour mettre la 1.22, on va tester des nouveaux camions, des plein de trucs. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va peut-être pas s'arrêter au péage, mais au moins on va s'arrêter là. Donc déjà, moi ça va me faire du bien, au moins il va arrêter de me mettre des. Toujours sans. Au moins il va arrêter de m'enlever de l'argent, tout simplement. Donc voilà, donc c'est vraiment une entreprise qui a été dans la misère, qui a fait de son mieux pour trouver une nouvelle entreprise, ce truc-là. Bon voilà, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Bon, après bien sûr vous avez aussi les autres entreprises qui le font, quoi, tout simplement. Alors comment ça se fait qu'il peut avoir de l'orage, c'est neige. Déjà. Donc déjà. Ouais, oh ouais, il neige bien. Hein. Oh purée. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai du temps en plus parce que. Oui, regardez. Je sais savoir ce que c'est que ces qualités de merde. Attendez, attendez, qu'est-ce que c'est que ces qualités de merde? Attendez, ajuster. Non, c'est bon, j'ai mis moyen. Je sais pas s'il y a du space, c'est pas grave. Donc tout simplement. Donc moi je vais vous dire. Attendez. Alors, oh oui, entre minuit et 4 heures du matin. Oula, ça va être chaud ça. Oh là là.
Non, attendez, attendez. Bah, on est un peu limite, quoi, tout simplement. Bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, tout simplement, on va continuer les vidéos. Alors, moi je vous dis, on va d'ici le week-end prochain, ou d'ici une semaine, ou d'ici peut-être la semaine prochaine, ou dans 15 jours, on va commencer les vidéos sur Farming Simulator 2015. Enfin, enfin, et eh oui, enfin, c'est ce que vous attendez tous, parce que je vous l'ai dit de la vidéo information, et eh oui, enfin, pourquoi pas faire enfin du FS15, parce qu'au moins. Parce que moi aussi ça va me changer les idées. De faire que du ETS2, c'est bien, mais c'est quand même chiant. Non mais c'est vrai, hein, je peux pas vous dire ça autrement. Et moi déjà ça commence à me chauffer les patates, quoi. Ça commence vraiment à m'énerver en fait. Et j'en ai vraiment marre. Voilà, tout simplement. Donc là on a plus de neige. Ça c'est l'essentiel. On va pouvoir rouler. Donc voilà, on va parler. Donc on continue les vidéos, toujours les vidéos le samedi pour Euro Truck Simulator 2 et FS15 le mercredi. Et eh oui, le mercredi. Mais vous devez. Ah, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va pas s'embêter. Merde, putain, pourquoi je fais ça là? Bon, c'est pas grave, hein. Ils sont quand même sur foot, moi j'ai pas que ça à faire. Non, m'arrêtez juste pour une connerie, comme on dit. Voilà. Donc. Et donc, on va vraiment parler de. Combien? 30 euros. Purée. Non, on a un chien. Donc, tout simplement. Voilà. Norbert, notre raisin. Eh oui, enfin. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui. Moi un jour je voudrais bien travailler chez Norbert d'Entrezangles. Si après je suis embauché, hein, bien sûr. Bon sinon c'est pas grave. Mais c'est vrai que Norbert d'Entrezangles c'est quand même une bonne entreprise. C'est une entreprise connue. C'est vraiment bien. Moi je dis vraiment vraiment bien. Alors attendez, où est-ce que j'ai encore des péages moi? 2h51. 2h07, ouais ça va. On est limite, mais ça peut encore aller. Peut-être qu'on arrivera à la limite. Et ça serait bien quand même. Ouais, voilà. Donc, on va continuer. Alors, Farming Simulator 2015, ce que je ferai, c'est d'abord, je vais mettre une introduction. Donc d'abord, je mets une introduction. Je fais une vidéo épisode découverte, vidéo découverte, tout simplement. Dès que la vidéo découverte est finie, dès que j'ai fait la vidéo découverte, j'arrête et je fais la. Et après, on va commencer une série qui va s'appeler Une journée à la ferme. Alors, pourquoi est-ce que j'ai donné ce nom-là? C'est mon ami Toto qui m'a dit, voilà, tu as. Parce que, en fait, au début, je voulais faire une. Qu'est-ce que je vais mettre? Le chemin du fermier. Le chemin du fermier. Mais il m'a dit, c'est pourri. Je lui ai dit, ouais, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça, alors. Une journée à la ferme, épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. Et ça sera tous les mercredis, tout simplement. Alors, j'ai décidé de faire comme L7C Fox. On va faire des vidéos. Donc, lui, il fait une vidéo le mercredi sur FS15. Et une vidéo ETS2 le vendredi. Mais moi, le vendredi, c'est pas tout. J'ai pas que ça à faire. Voilà. J'ai pas le temps. Voilà, je rentre du boulot. Je machin, j'ai mes dieux. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas. Parce que moi voilà, j'ai pas trop le temps. Je préfère faire des vidéos le samedi. Parce que déjà après, je suis tranquille, je peux le faire. Et après, basta. Tout simplement. Donc là, on va arriver à Reims. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur FS15. Pour Norbert d'Entrezan, voilà, je vous ai parlé des différentes choses. Alors après, c'est vrai que moi, un jour, être un gros youtubeur, je ne pense pas. Parce que déjà, bon, voilà, tout le monde a commencé avec. Tout le monde a commencé à être un petit youtubeur, voilà, peut-être 4, 8 abonnés. Mais moi, je dis que c'est rien. Voilà, après, être youtubeur comme les grands youtubeurs,
SQRL, Galax, L7C, Fox, machin. C'est bien, mais c'est pas si facile. Alors, c'est vrai que. C'est pareil, je sais plus qui m'a dit. Quand vous commencez. Quand vous dépassez les 50 abonnés, vous commencez à être connu. Donc, ce qui veut dire que vous commencez à être connu, pas sur les réseaux sociaux, mais vous commencez à être connu sur YouTube. Les gens vont commencer à regarder vos vidéos et ça, c'est bien, vraiment bien. Moi, je vous dis, ça, c'est vraiment le top du top, tout simplement. On n'est pas encore arrivé, je crois, puisque. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore là? Parce que, attendez, on a fait ça, ouais, on n'a pas fait grand-chose en fait. Oh, ça va encore. Ça va encore. Donc voilà. Nous allons continuer. On va continuer les vidéos sur les skins de camions. Alors, c'est. Donc, c'est. Je télécharge. Donc, j'utilise. Donc, déjà j'utilise un mod. Donc, vous souvenez ces vidéos du Mercedes-Benz Actros Stream Space avec. Comment il s'appelle? Je sais plus ce que c'était. C'est quoi, en fait? Ah oui. Les entreprises de logistique. DHL, UPS, DB Schenker, tous ces trucs-là, ben voilà, on va continuer. Mais sauf que ça ne sera pas sur la logistique, ça sera plein de trucs. Des trucs sur le Renault Magnum, mon camion Renault, hein, bien sûr, Norbert d'Entresangles. Tout simplement, donc on va refaire plein de vidéos. N'oubliez pas, si vous avez une question, un sujet ou autre chose. Bon, déjà, bon, moi j'ai des sujets maintenant, donc déjà, ça c'est bien. Après, après c'est tout. Bon, voilà, on va vraiment continuer. Bon, alors je ferai pas ça tout le temps, hein, tout le temps, bien sûr. Non, quand même pas, faut quand même pas abuser. On va commencer, on va continuer, on va faire plein de DLC Scandinavia, plein de combo skin pack, ce truc-là. Et dès que j'aurai fini tous les combo skin pack, on pourra enfin faire nos propres vidéos. Je mettrai la 1.22, je mettrai la nouvelle mise à jour. Voilà, je mettrai plein de trucs. Voilà, je vais télécharger plein de mods, plein de voilà, je mettrai la 1.22. Bon, si un jour la 1.23 sort, c'est pas grave, hein, voilà. Oh non, pas cette musique, putain, je déteste. Alors, attendez. Donc là on arrive au péage. Donc attendez. Non, putain là, putain de merde là. Putain, t'as vraiment des tarés là. Putain. Putain, une musique de. Ouais, je vais arriver en retard un peu, bon, c'est pas grave, ça si je me dépêche. Mais voilà, on est vraiment dans le DLC Scandinavia. Donc alors, sur la vidéo précédente, j'ai eu, sans faire exprès, la vidéo a duré 50 minutes. Alors c'est vrai que quand je fais des vidéos de 50 minutes, j'ai pas beaucoup dû, déjà, puisque voilà, normalement mes vidéos elles durent 35 minutes, 20, 25 minutes, 30 minutes maxi, et pas tant et tant de vues. Voilà. Moi je vous dis, partagez. Si la vidéo vous plaît, mettez un j'aime, partagez-la. Facebook. Alors j'ai pas Twitter bien sûr. Mais partagez-la. Voilà, aimez, dites voilà aux gens, à vos amis ou n'importe. Voilà, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un YouTuber, il est vraiment génial. Abonne-toi, je te le conseille, il fait des bonnes vidéos, il fait des vidéos tous les samedis. Plein, plein, plein de trucs. Alors. Voilà, tous ces trucs-là, essayez, voilà, même si vous faites du placement de produit, c'est pas grave, voilà, tout simplement. Alors, attendez. On arrive, là. Pas encore. Donc, voilà, on va mettre la vue active. Alors. Ah, attendez. Donc tous les vidéos, tous les samedis les vidéos sont postées à partir de 17h. La vidéo est postée.
et mis sur YouTube, donc d'ici 17h maximum, la vidéo doit être postée. Alors c'est vrai, quelquefois vous pouvez avoir du retard, la vidéo a pris trop de temps, vous étiez bousculé ou des choses comme ça peut m'arriver. Mais au moins, vous avez des choses qui peuvent vous aider. Tout simplement. Donc, on va découvrir plein de camions sur la 1.22. J'ai découvert un site internet, mais vraiment, j'ai découvert un site internet, il est génial, oh purée, il est génial. Alors, bon, je vais déjà vous l'expliquer, bon voilà, même si c'est pour une autre vidéo, je vais pas trop vous l'expliquer, j'ai découvert un site internet qui est génial. Il vous met les mises à jour que vous avez, par exemple, vous avez la 1.22.2.3, ben, il va vous dire, voilà, vous avez un camion, pardon, imaginons vous avez... Le Renault racheté 1.22, il vous met la version 1.22.2.3. Ça, c'est bien. Et ça, je conseille, mais vraiment. Parce que les mises à jour qui vous disent, ouais, les mises à jour, bah c'est 1.22. Testé en 1.22. Et après, quand vous téléchargez, ça marche pas. Fils de pute, ouais. Alors qu'ils vous mettent pas les bonnes versions, quoi. Ça, c'est énervant. Ça, c'est ce que je déteste, mais vraiment. Ça, je vous mens pas. C'est le truc que je déteste, mais le plus, c'est... Oh, c'est horrible. Alors, attendez. Ouais, c'est bon, j'y arrive enfin. Donc là, on arrive enfin. Ouais, oh, c'est rien. What the fuck, Wish? Oh non! Oh, non, non, non! T'as vraiment que ça m'arrive, ce truc-là, non! Alors, attendez, attendez, attendez. On va appeler le garagiste. 6%, oh, fais chier. Ça me saoule. Bon allez, c'est pas grave, allez. Bon allez, pas grave si je perds de l'argent. Hein. Bon allez. Moi j'évite pas le truc là. Bon allez là. Allez, putain de merde. Alors enfin. Ouais, je sais que je suis en retard, hein. Oh non, je devrais arriver à quelle heure? Ah bah pas grave, allez, oust. C'est quoi ces graphismes de merde que j'ai là-haut? Pas grave, j'en ai rien à la foutre, hein. Bon, là j'ai pas trop réussi, mais bon, c'est pas grave. Allô, putain, c'est quoi ces graphismes de merde? Y'a un bug ou quoi là? Putain. Non, même pas. Bon, ça doit être normal alors. Enfin, ça doit être le jeu qui doit faire ça et qui. Je pense que ça doit être le jeu qui doit faire ça et... Ouais, je pense que ça doit être vraiment le jeu qui doit faire ça. Donc, on arrive. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein. Alors, pour l'histoire des mods, pour les camions, site de camions, tout ça, j'ai demandé à un gars sur le site dont j'utilise régulièrement, toujours, et il m'a... C'est pas qu'il m'a glandé, il m'a laissé courir, une vieille merde. Alors, il m'a dit, donc je lui ai demandé son Skype, son machin, son bidule, et il a dû dire, bon, j'en ai rien à foutre, donc tu vas aller te faire foutre. Donc voilà, tout simplement, il m'a laissé tomber. Donc maintenant, je vais voir. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour télécharger tout ce truc-là.
J'ai découvert, mon ami a essayé de les. Il m'a dit, oh là, c'est encore plus compliqué que FS15. Je fais, ouais. Putain, j'ai déjà 6% de remorque. Oh putain, 8% de camion, 6% de remorque. Oh putain, je vais me perdre au moins 4 000 euros là. Ça me gaz ce truc là, mais moi, on pouvait pas savoir. Allez, j'en débarre, allez. En retard, ok, ouais. Ouais, donc j'ai perdu quoi, 2 000 euros, quoi, en fait. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime, de laisser un commentaire et de t'abonner. Ciao tout le monde. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, vive les chauffeurs routiers. Ciao.